Yo les gars, c'est ici, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Nikkei. Vous avez bien aimé la vidéo Invocation. Cette fois, ça va être presque pareil, sauf que c'est pas une invocation, c'est directement dans l'event. On a un nouveau personnage gratuit, donc il est juste là. En gros, vous avez un login, vous vous connectez chaque jour, et puis vous avez des récompenses. Et l'une des meilleures récompenses, c'est seulement le troisième jour de connexion. Ils auraient pu le mettre le dernier jour, mais ils ont voulu le mettre directement. Et donc, on va le récupérer tout de suite. Et c'est Pascal. Les gars, c'est trop drôle parce que si je dis pas de bêtises, c'est le premier caractère entre guillemets masculin du jeu. Bon, c'est pas vraiment un homme vu que c'est un robot, mais c'est pas un robot féminin, tu vois, c'est un robot masculin. Donc c'est assez drôle parce que c'est le premier personnage masculin entre guillemets. Donc voilà, nouveau personnage, Pascal, SR, abnormal. Et donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'il donne, ce qu'il vaut, etc. Puis on va regarder un petit peu ses caractéristiques. Mais du coup, c'est assez rigolo, je trouve. Et puis tout le reste, bon, je ferai après l'event. On va d'abord regarder le personnage. Et il y a aussi A2 qui arrive dans peut-être une semaine, je crois. Je sais pas exactement. Alors, où est-ce qu'il est, le petit Pascal? Il est juste là. Wow. C'est trop drôle. Ok, donc alors. Déjà, on va regarder sa classe. Alors, sa classe, bah c'est abnorm ah bah ouais, c'est abnormal. Abnormal, il y a un mec qui m'a dit dans les commentaires que c'était pour les personnages d'événements. Donc, pourquoi pas. On va remettre tout. Alors, on va regarder son arme. Alors, quelle arme il a? Ah bah, il est là. Donc, il a un RL. Donc, je crois que c'est Rocket Launcher. Ok. Moi, c'est comme ça que je fais pour voir chaque truc. Et je crois que son élément, c'est électrique. Non, pas électrique. Iron. Ouais, donc Iron. Et sa classe, ça doit être un support. Ok, bah c'est un support. Pourquoi pas. Je me demande comment on peut faire pour le limit break, vu qu'il est que dans l'event. Est-ce qu'on va pouvoir le limit break? Je sais pas, on verra plus tard. En tout cas, voilà, le petit coquin. Je vais pas le level up parce que du coup, faudra une petite strat. Je sais pas comment on a ces trucs. Là, il y a les skills. Attends. Bon, on va regarder dans l'ordre. On va regarder dans l'ordre. Donc, le power, il est là. Son HP, attaque, défense. Je sais pas si tous les personnages ont le même. Squad, il fait partie de la Machine Life Form. Donc, il est tout seul. J'ai envie de voir d'ailleurs. Attendez. On n'a pas regardé. Où est-ce qu'elle est? 2B, elle est partie de quel squad? Ah ouais, ok. Donc, il y a A2 qui est juste là. Quand elle arrivera, on la testera et je l'invoquerai. Du coup, le petit Pascal. Il fait partie de ça. Donc ça c'est Iron. 10% de damage. Donc Rocket Launcher. 6 de capacité. 250 de reload. Contrôle mode. Il fait 75 d'attaque. 200 de damage. Non, non, non. Ok. Cannot cast charge attaque. Ça c'est quoi? C'est la recyclage room. Donc on s'en fiche. C'est mon niveau à moi. Et pareil pour ça. Les équipements. Lui, il peut avoir quel type d'équipement? Il peut avoir ce set là, ok. Donc les sortes de trucs orange comme ça. Les skills. Alors. Donc le premier passif. Active after frying, je sais pas quoi, 10 fois. Et recover 3% off caster final max HP. Active when entering burst stage after. Blablabla. Et HP 19% pour 10 secondes. Recover caster final max HP. Affecte 3 alliés avec les PV les plus bas. Donc c'est un healer, on dirait bien. En vrai, c'est original. Attends, donc je suis sur le passif là. Ah oui, c'est vrai que quand tu cliques, tu vois les 3 d'un coup. Harmony Cube, bon, ça on s'en fiche. Ok, bah là on a un view mode aussi qu'on n'avait pas vu. Donc ça c'est son costume, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Ça c'est quoi? Ah, c'est quand il tire. Ok. Son lance-roquette, on dirait une sorte de pompe. C'est quoi ce truc? Ah, ça, c'est comment il recharge? C'est trop drôle, n'empêche. C'est vraiment trop drôle. En vrai, moi, j'aime trop. Et donc, en chibi. Oh, il est trop mims. Oh, il est trop mignon en chibi. Fais voir sa voix. Il marque quoi? You may only enter the voice menu while standing. C'est quoi ça? Ah, c'est là. Non, j'entends pas.
Attendez, je vais monter le son. Mais il n'y a pas de son. Je crois que je les ai activés dans les paramètres. Ok. Bah, très stylé. On va retourner dans l'événement, vite fait. Hop, juste là. Ça charge, ça charge. Et on va regarder si on peut avoir des shards. Parce que je me rappelle que Anshor, donc je crois que c'était le SR de l'événement d'avant, l'événement à la plage, je crois qu'on pouvait avoir toutes ces shards gratuitement. Donc on va regarder si c'est pareil pour le poteau. Donc déjà, c'est pas dans le login. J'avais vu de toute façon que c'était pas là. Peut-être dans le shop. D'ailleurs, le shop il est trop chiant, les gars, il fait que de courir partout. Dites-moi si ça vous saoule aussi. Dans le shop non plus. Donc je veux pas acheter les trucs de Pascal dans le shop. On va regarder si c'est autre part. On va regarder un peu partout. Il y a moyen, est-ce que ça peut être dans les récompenses comme ça? Les. Vous voyez, 5 sur 9. On va charger partout de toute façon. Hop, dans la story. Est-ce que c'est dans la story peut-être? Start. L'histoire, je l'ai finie d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ok, bref, c'est pas là, on dirait. Ah, du coup, maintenant que j'ai Pascal, je peux avoir plus de trucs. Mais je crois que c'est un maximum de 100. Donc bon. En tout cas, ça, c'est pas là. Peut-être là. Là, les gars, vraiment, on essaye de tout chercher. Non, je pense pas que ça soit là. C'est impossible. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le challenge. Ce qui m'étonnerait. Non, je pense pas que ça soit le challenge. Non, bah non. Non, non, n'importe quoi. Et du coup, il nous reste le minigame. Et si c'est pas dans le minigame, bah je vois pas où ça peut être. Bah non, c'est pas là, je pense. Non, c'est pas là. Bah trop bizarre, les gars. Trop trop bizarre. Trop bizarre. Ok, bah vous me direz en commentaire si vous savez. Du coup, moi, pour moi, c'est soit dans les récompenses là. Ah, peut-être dans les missions, attendez, fais voir. Peut-être dans les missions. Je vais descendre un peu. Oh, j'ai vu un truc violet. Oh, c'est là, les gars. Clear Hard Story 2 1 16 Event Time. Mais elle n'y est pas encore cet event. Le hard il n'y est pas encore, je crois. En tout cas, bref, du coup, le premier est là. Et je crois qu'il en faut deux. Donc je sais pas s'il y en aura un deuxième. Ah, j'ai vu un. Oh, c'est là. La Normal Story 2 1 12 Event 1. Ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc la Story Normal 2, il faut clear. Mais je l'ai pas trouvé. Attendez. Attendez, on va y retourner, mais. Les gars, bon, cette vidéo c'est vraiment juste on papote. Mais j'ai pas trouvé la story 2. Faut que j'appuie quelque part, je sais pas. Comment je fais? Peut-être qu'elle est juste pas disponible. Je sais pas. Hein. 24 jours. Ah, c'est peut-être. C'est pas ça. Je crois que c'est là. Il y a marqué story. Ah, ouais, bah ça doit être là. Du coup, c'est à partir du 7. Donc, dans 5 jours. Vers fin de semaine. Ok. Enfin, du coup, plutôt au milieu de semaine. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, on a juste papoté. On a découvert un petit peu le personnage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Code créateur NCU sur tous les jeux. Allez, ciao!